Bon justement, c'est bien toi pour une vidéo de Paper Mario à la porte de Milena. Donc la dernière fois, on savait tout simplement laisser que tout est en train de s'écrouler parce qu'on est en train de se faire tirer par Cruxeros. J'oublie tout le temps son nom. Donc faut aller voir Cortex, le roi des pirates, pour lui demander son bateau. C'est la seule façon qu'on peut combattre. Est-ce qu'il va nous passer dans son bateau? Oh, telle est la question. Oh, encore toi le moustachu. Qu'est-ce que tu veux encore? Thérèse, il faut que je te parle. Tu ne voudrais pas nous prêter ton navire? Quoi? Pourquoi ma majesté vous prêterait-elle son navire? Et qui es-tu, toi? Je suis Marco, nous sommes dans une très mauvaise passe. Je dois protéger mon équipage des pirates qui attaquent l'île. C'est pour ça que nous avons trouvé besoin de ton navire. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne prête pas mon navire au premier venu. Et de toute façon, ce bateau magique, le Black Scar, ne peut sortir d'ici. La queue qui lui permettrait de se mouvoir, un joyeux crâne est perdu. Un joyeux crâne? Tu parles de ça? Incroyable, le joyeux crâne. Est-ce que j'ai bien dit le joyeux ou le joyau crâne? Je pense que j'ai dit le joyeux. Bon, tant pis. On n'a qu'à faire comme ça. Je te donne le joyau, un trésor de famille, et tu nous prêtes ton navire. Marché équitable, non? Qu'en dis-tu, Cortez? Tes enceintes ont dérobé le joyau, enfant d'escroc. Et tu es le toupé de vouloir que je te prête mon navire. Tant d'impertinence se paie par la force. Attends. Sinon, je te laisse à nouveau aux mains de Mario. Et pendant ce temps, je vais jeter le joyau à la mer. Alors, que choisis-tu? Quel bandit! Très bien. J'accepte ton marché. Ne jette pas le joyau. Marché conclu. Je ne suis pas marchand pour rien. Le verbe, tout est dans le verbe. Tiens, voilà pour toi. Bien, avec cette pierre, le Black Scar va pouvoir reprendre la mer. Et ma majesté va régler leur compte à ceux qui canardent là dehors. Enfin, un peu d'action. Tu as bien fait de moi, tu as bien fait de t'en remettre à moi. Allons-y, Mario. Ta-na-na-na. Bon, ok, il va falloir qu'on quitte, je crois que... Ouais, il va falloir qu'on quitte. Et il va falloir qu'on retourne dans la fameuse scène d'action avec tous les... Oh non, en fin de compte, non. Bon, on reste sur le bateau. Oui, nous aussi, on est venus. On va tous leur montrer de quel bon on se chauffe. Bas de singerie, hein, Marco? Allons-y, comment la moustache? Je sens les ralentissements venir à de vitesse folle. Cette bonne vieille mère, je suis un peu rouillé. Prêt? C'est parti! Ah, il y a tellement de trucs à l'écran, ça fait tellement ramer le jeu, c'est fou. Mais bon. Oh, 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 nous avons plein de boulets, feu à volonté! Que faites-vous ici, sans mon autorisation? Vous n'avez de l'audace! Charging! Attention, le combat! Le combat de la mort! Combat contre bateau! Bateau fantôme contre bateau super high-tech! La mort qui tue! Quel bateau sera le plus méga d'entre les deux? Nous allons le savoir dans quelques instants. Attention! Attention! Il va y avoir un clash! Un clash de deux bateaux! Oh non, peut-être pas! Attention, il tourne encore! Oh, attention! Oh, oh! Et bam! Attention! Coulez-moi cette ruine flottante! Et je me croirais vraiment dans un film d'action là. Nous allons vous liquider jusqu'au dernier! Allez! Combat à mort! Combat royal! Tous dans le tas! Faut frapper partout! Mario, c'est encore à toi! Règle-nous ça si tu veux! Allez Mario, va sur le bateau! Oh! Oh yeah! Mario est embarqué sur le bateau et c'est le temps d'attaquer le capitaine du bateau! Ouais, aujourd'hui vous allez voguer. Non, sombrer au fond des mers. Ouais, préparez-vous. Ok. Bon, ok. Ça suffit la petite chanson qui make no sense. Donc on va tout de suite attaquer ces petits, sinon t'en avoir de nous. Comme ça, je vais pouvoir les éliminer facilement et en plus le mât du bateau nous a aidé un petit peu. Donc on va changer juste de partenaire. Je vais prendre Gumbelly.
parce que je vais indiquer ce fameux ennemi. Je vais enfin savoir son nom. Donc c'est Cruxeros, c'est pas Mega Cruxeros, Cruxis ou whatever. C'est Cruxeros. Notre bon ennemi Cruxeros, encore lui, ne se fatigue jamais. PC max 30, puissance 3, défense 0. Il fait pas d'attaque simple, alors pas d'inquiétude à avoir. Le problème, ce sont les Trouvillons qui l'accompagnent. Ils nous attaquent à tout va. En tout cas, si tu ne vires pas Cruxeros, ces Trouvillons ne partiront pas. Ok, donc en gros, il faut l'attaquer en premier. Ok. C'est une bonne idée. On va tout de suite l'attaquer en premier. Attention. Hop, Sautoupi. Réussi, réussi. Donc il refait une attaque. J'ai réussi mon attaque B. Ouais. Hop, hop, tout va bien. Donc on va changer avec Bombard. On va revenir avec Bombard parce que Bombard, je l'aime beaucoup. Bombard, c'est mon meilleur ami. Non, je déconne. C'est vraiment aucun sens ce que je dis. Donc, à là, tout va bien. Tantôt, j'ai même pas réussi mon super coup. Vous résistez, Minus. Si c'est comme ça, il va rappeler encore ses. Avec moi, je suis prêt à dire qu'il va remporter. Ah, what? Toi, qu'est-ce qui se passe? What? Il y a des fourchettes qui tombent du ciel, bien entendu. Ok. Donc, il lui reste combien de vie? 13. Donc, si je fais bombe, et après je fais un saut toupie, je crois que c'est fini. Je crois. Ouais, si je réussis bien mon saut toupie, ça serait fini. Assez simple, assez simple. Je m'étonne moi-même en ce moment même. Hop, attention, faut que j'aille l'autre. Non, je l'ai manqué. Merde, il reste un billet. Ok. C'était comme une grosse attaque la mort qui tue. Attends, je vais essayer de faire B. Finir le combat, waouh, avec un B. Mission succeed. Je m'étonne moi-même. What? C'est pas fini? En ce moment, si vous avez vu mon visage, parce que je me pose tellement des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, vous êtes pas si mauvais. J'ai cru une seconde que j'allais rester, mais ça n'est pas fini. Votre arc ne vous servira pas longtemps. Ok. Bon ben, ok. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant? Éclair, non. On va faire une mèche longue. Hop. Voilà. Et après, ici, je vais faire... Soigne le poison, les PC et les PF de son ennemi. Ok. Je vais faire... Trace Pow. Parce que je vais essayer d'éliminer le plus d'ennemis possible rapidement. Parce que les petits ennemis autour de moi, ça m'énerve vraiment. C'est le truc le plus chiant que je vous dirais dans le jeu. Donc boum, je fais simplement un. Donc je vais aller exactement ici, je vais voir si je les tape en même temps. Non merde, okay, c'est pas si grave. Attendez, je vais essayer de les prendre en même temps. Hop, voilà. Hop, un autre cercle. Est-ce que j'ai le temps d'en faire un autre s'il vous plaît? Allez. Non, je l'ai manqué. Oh, merde. Ok, ça fait très mal. 4 ou 5. Waouh. Mais cette attaque est tellement simple à esquiver. Donc, à date, j'ai une attaque que je suis facilement capable d'esquiver. Ça, c'est parfait. Je suis obligé de faire ceci. Hop. Boum. Et après, je crois que je vais tout simplement... Ah, parfait! Encore le décor qui vient de m'aider. Ça, c'est plaisant. Ça, c'est vraiment plaisant. Je vais pouvoir faire Sautoupi sans aucun problème. Hop! Hop! Voilà. Cette attaque est tellement facile à esquiver. Bon, vraiment, c'est une des attaques les plus simples que j'ai jamais vues pour esquiver. 3, parfait. 3, parfait. Voilà, c'est fini. GG, j'ai gagné. Parfait. GG. Cool. Allez, meurs. Voilà. Donc 20 points d'étoile, c'est quand même satisfaisant. J'aurais aimé une plus grosse récolte, mais bon. 20, c'est satisfaisant. Je suis satisfait. Nous sommes battus. Il va falloir une bonne excuse pour Cruc Sinistre. N'oubliez pas. Allez-vous-en, gang de nuls. Bien, Mario. Tout le monde est sain et sauf. Vive Mario. Ouais, vive Mario. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Voilà. Partie sauvegarder. C'est fini aussi raide? What? Ok. Donc on va tout de suite se retrouver avec Peach, comme si rien n'était.
Ah non, pas encore avec Peach. Ou peut-être bientôt. Ah là là, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. Tu as encore manqué ton coup, c'est pas incroyable. Désolé, grand sinistre, je l'avais presque cette fois-ci. Cruxeros, je te donnerai bientôt de nouvelles instructions. Mais dis-toi bien que ce sera ta dernière chance, c'est clair? Parfaitement clair. Tu peux te retirer. Hé, hey, toi! Ok, je pensais qu'il me parlait à moi, j'ai quasiment été surpris. Présent! Redis à l'obscur trio d'attaquer Mario, il dit bien que je ne peux plus d'échec. À vos ordres! Une seule gemme alors que Mario en a déjà 5. Je dois agir vite et bien. Donc on a quand même 5 fois plus d'avance de Mega Crucinis. Il en reste plus que 2. Donc si vous comprenez bien, il y en a 7. Donc il en reste une pas trouvée et il y en a une que Mega Crucinis a. Donc... j'ai rien d'autre à dire. Tu m'as encore appelé? Que veux-tu cette fois-ci? Aucune réponse. L'ordinateur ne peut pas parler cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose de plus risqué à te demander. Hein? J'aimerais que tu t'infiles chez Cruxinis et que tu me rapportes une disquette. Je t'apporte une disquette? J'ai accès à toutes les données du réseau, mais pas aux données des ordinateurs non raccordés. Le grand Cruxinis dispose d'informations auxquelles moi-même je ne peux accéder. Et je dois à tout prix les connaître. Oui, mais comment faire? Tu veux que je me déguise à nouveau? Non, pas cette fois-ci. En fait, nul autre que Cruxinis n'est autorisé à pénétrer dans son bureau. Et quand il n'est pas là, un garde surveille l'entrée et ne laisse passer personne. Il y a pourtant un moyen. Tout se passerait bien si tu suis mes instructions. Pardon de te demander quelque chose d'aussi risqué. Mais tu es la seule à pouvoir m'aider. Ça n'est pas grave, Tech. Dis-moi ce que je dois faire. Eh bien, tu dois sortir de l'ascenseur... Eh bien, tu vas sortir de la pièce et reprendre l'ascenseur vers l'étage supérieur. Ok. Comme si c'était fait, nous allons prendre l'ascenseur. Je crois que c'était ça qu'est-ce qu'il m'avait dit. Si c'est pas ça, oups. Mais bon, je crois que c'est ça qu'il m'avait dit de monter l'étage supérieur. Voilà, on monte. C'est un bon signe, c'est un bon signe. Tam pam pam. Allez, monte. Ok, donc là, prends la direction inverse de la salle de Cruxinis. Sors de l'ascenseur, va à gauche et rentre dans la salle avec la lumière verte. Trololol, bon, ok, non. Ah, lumière rouge. Non, ce n'est pas une lumière verte. Attention, est-ce que ça sera une lumière verte? Non, et encore une lumière rouge. Est-ce que ça sera une lumière verte? Non, encore une lumière rouge. Est-ce que maintenant ça sera une lumière verte? Oui, lumière verte. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, ok. Bien, tu vas devoir utiliser les potions pour en fabriquer une qui te rend invisible. Une potion qui me rend invisible? Être invisible te permettra d'infiltrer chez Cruxinistre. Très bien. Que dois-je faire? Place chacune des potions qui sont sur le bureau dans la machine à mixion derrière. J'avoue que je ne sais pas dans quel ordre il faut les placer. Un chercheur a dû bien laisser des notes à ce sujet dans la pièce. Suis ses instructions pour placer les potions dans la machine. Ok. Bon, mais il y a une note ici. Pose la potion jaune entre la potion bleue et la potion verte. Donc la jaune est entre la bleue et la verte. Donc, attendez, je vais aller relire. La potion jaune est entre la potion blanche. Donc, ça veut dire que la potion jaune est soit ici ou ici. Mais quelle potion jaune? Ok, ça, il appelle ça jaune. Moi, j'appelle ça orange. Ok. Pose deux potions entre la potion verte et rouge. Pose les deux potions entre la potion verte et la rouge. Poser la potion bleue à côté de la potion rouge. Ne pas poser la potion rouge à l'extrême droite. Ok, donc elle n'est pas à droite. Et si j'ai bien compris, ici, poser deux potions entre la potion verte et la potion rouge. Ah, ah, c'est trop compliqué. Attendez. Poser la potion bleue à côté de la potion rouge. Ne pas poser la potion rouge à l'extrême droite. Donc la potion rouge... Attendez, je vais tout prendre les potions. Ça sera beaucoup plus simple. Potion jaune, potion verte et la potion bleue. Bon. Ah là 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 là. Poser la potion jaune entre la potion... Poser la potion jaune entre la potion bleue. Ok, bon, on va faire un exemple. Maintenant, on va mettre la potion bleue ici. La potion
jaune et... attendez, est-ce que c'était la verte ou la rouge? J'allais revoir. Oui, voilà, la verte. Donc, à date, cette suite logique marche pour le premier papier. On va faire en élimination. Donc, le deuxième. Poser deux potions entre la potion verte et la potion rouge. Donc... j'ai une idée. La potion rouge devrait être ici. Parce qu'ils disent exactement ici que la potion... poser deux potions entre la potion verte et la potion... Bon, j'arrête pas de dire poisson au lieu de potion. Je sais pas pourquoi. Bon, date cette suite logique. Non, 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 non. Ok, parfait. Ok. Papier ici. Poser la potion bleue à côté de la potion rouge. Parfait. Ne pas poser la potion rouge à l'extrême droite. À date, tout va bien. On va juste aller revérifier. Poser deux potions entre la potion verte et la potion rouge. Donc, la verte est ici, la rouge est à l'autre bout. Parfait. Et le dernier papier, est-ce que tout est correct? Poser la potion jaune entre la potion bleue et la potion verte. Tout est réussi. Donc, wop. Oui. Très bien. Alors, appuie sur le bouton du panneau de contrôle à gauche de la pièce. Je crois que c'est ce gros bouton qui flash. Ah la 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 la, faisons une potion. Actionne les boutons sous les cases ou stop le récipient pour verser les potions. Ok, allons-y. Attention, du rouge. Du bleu, c'est rendu mauve. Du jaune, c'est rendu beige. On rajoute du bleu, c'est rendu rose. On rajoute du jaune, c'est rendu beige encore. Non, pas du rouge. Oh oui, du rouge. Voilà, du rouge. C'est rendu un petit rose. Un petit rose pâle, je vous dirais. Oh, il faut rajouter du jaune. C'est rendu une mixture orange. Et il faut rajouter du vert. C'est rendu une potion vraiment très dégueulasse. Laissez chauffer la préparation pendant 30 secondes. Attendez pile 30 secondes, puis appuyez sur le bouton pour arrêter la machine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ah sérieux, je me suis trop... Ah, c'est rendu vert. What? Bon. Sérieusement, la musique est trop ambiance. On peut dire des chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ok, ça suffit. Normalement, c'est terminé. Crois-tu que la potion est réussie? Oui, 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 d'accord. Alors avale le tout d'un trait. Quoi? Mais tu es sûr? Vas-y, bois. Vas-y, bois. Ça a marché, miracle. Tu es devenu invisible. Maintenant, tu dois enlever tes vêtements. Déshabille-toi tout de suite. Aucune potion ne pourra les rendre invisibles. Oh, mais... très bien, j'ai compris. Pourquoi s'en va à l'autre bout du monde pour aller changer quand on la voit invisible pareil? Va maintenant dans le bureau de Cryxinis pour y chercher la disquette. Insère-la dans ton ordinateur. Insère-la dans son ordinateur et connecte l'ordinateur au réseau. Quand tu l'auras fait, reviens ici. Je t'expliquerai comment reprendre ton apparence normale. C'est bien compliqué. Commence par t'infiltrer dans le bureau de Cryxinis. Ok, parfait. Ok, nous sommes invisibles. Personne ne nous verra. Ah ah ah, la porte s'est ouverte. Tiens, la porte s'ouvre alors qu'il n'y a personne. Elle est détraquée? Ah ah! Ha 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 ha, je suis invisible! Sérieusement, c'est un pouvoir que... j'y pense. Si je serais un super héros, ça serait un des pouvoirs que j'aimerais bien avoir, être invisible. Pour faire plein de trucs super cool. Non, mais sans blague. Je sais pas, pouvoir être invisible, ça pourrait être quand même plaisant, mais de pouvoir l'utiliser quand on veut. Et ne pas tout le temps être invisible. Parce que rester invisible toute notre vie, c'est pas quelque chose de vraiment intéressant que j'aimerais parce que... je sais pas, personne pourrait te voir. Personne pourrait profiter de ce que t'es, ce que tu es. Donc personne te verrait. Me voilà. Attendez. Me voilà chez Cryxinis. Je me demande où est la disquette. Cherchons disquette. Oh, un paquet de disquettes. Ah, la voilà. Ah, je suis fort. Une disquette, la disquette qui se trouvait dans le bureau de Cryxinis. Voyons voir, je dois la mettre dans l'ordinateur et me connecter au réseau.
On va mettre la disquette. What? Ça marche, il se passe quelque chose. Ok, il y a un personnage qui saute. Je sais pas si c'est une référence à un jeu en tant que tel. Je peux pas vous dire. Non, je peux vraiment pas vous dire. On dirait que c'est terminé. Maintenant, ranger la disquette à sa place. Disquette. Où es-tu, disquette? Et voilà. Ok, pas de trouble. Maintenant, c'est le temps de quitter, c'est ça? Y'a plus rien à faire. Parfait, parfait. Laver, 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 laver. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire laver, laver. Mais bon, je crois qu'il faut qu'on revienne sur nos pas. Pour revenir exactement au même endroit qu'on était il y a environ 5 minutes, même pas. Je dirais 2 minutes. 2 minutes 32 et 16 centièmes, pour être précis. Parce que j'ai un chronomètre à côté de moi dans ma tête. Oui, dans ma tête, j'ai un chronomètre à côté de moi. Ok. Est-ce que c'est tout? J'espère que c'est tout. Merci, Princesse Peach, tu as parfaitement rempli ta mission. Tant mieux. Je vais te dire comment retrouver ton apparence normale. Bois la potion verte et le tour sera joué. Un instant. Non! Je voulais qu'elle boive la potion. Oh. Elle est pas si blonde que ça, en fait, quoi. Hihi! Bon, ok. Bois alors la potion verte. Hein. Oui, allons voir la potion verte. Hop! Et voilà, de retour. Ouf, heureusement que ça a marché. Bien, retournons dans la salle des ordinateurs. J'ai le fait que quand elle boit la potion, elle boit exactement tout au complet même la vitre du gobelet, comment je pourrais appeler ça? Du verre, si on veut. C'est vraiment bizarre. Mais Tech, c'était quoi ces données? Je suis en train de les analyser en ce moment. Elles sont ultra protégées. Mais si je me trompe pas... Eh bien, si tu ne trompes pas... Non, rien. Je préfère ne rien dire. Je t'en parlerai quand j'aurai tout analysé. Tu peux utiliser l'émetteur. D'accord. J'attendrai que tu aies fini de tous les analyser. Je vais utiliser l'émetteur. Chatting with Mario. Ta-da-da. Envoyons le message. C'est fait. Tu peux envoyer mon message? Et voilà. Message envoyé. Ce serait tout pour le moment. Retourne dans ta chambre, s'il te plaît. Bien, à plus tard, Tech. Merci, Princess Peach. Je t'en prie. J'essaie vraiment de comprendre. Princess Peach, je veux juste te protéger. Je comprends pas Attendez, je ne comprends pas la logique autour du fait que Peach fait exactement tout ce qu'un ordinateur lui dit de faire. C'est comme si mon ordinateur me dirait « Est-ce que tu voudrais fermer ton programme ?» Mais au lieu de dire « Est-ce que tu voudrais ?» il dit « Ferme le programme, il me donnerait un ordre. » Mais c'est quoi cette connerie? Je sais pas, j'essaie juste de comprendre. J'écouterai pas mon ordinateur en train de dire « Va faire ci, va faire ça, va faire ci. » Mais bon. Bah disons donc, c'est vraiment mal éclairé ici. C'est le village de Pin... Non, attendez. C'est le village de Pin... Non, je sais pas pour savoir. C'est le village de Pinacta, il devrait y avoir une autre gemme par ici, oui. Il devrait suffire de secouer les puces à ce villageois pour obtenir des informations. Ouais, on y va. Donc on va aller voir Cruxeros. Ha 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 ha. Rah. Pourtant, Marjolaine a bien dit qu'elle avait perdu l'ultibombe dans ce coin-là. Et moi qui suis en retard, c'est vraiment nul, nul, nul. Si je ne reprends pas l'initiative sur ce coup-là. Oh! L'ultibombe, je l'ai trouvé. Avec ça, je vais pouvoir mettre une raclée à Mario et prendre les gemmes étoiles. Et Mario n'est pas le seul à qui la chance sourit. Là, ce type-là, il a l'air à savoir de quelque chose sur les gemmes étoiles. Ouais, et elle veut quoi, la tortue? Vous cherchez aussi les gemmes étoiles, vous autres? Embêtant, ça. Et si c'était ma chance de reprendre la main? Allez, allez, balancez tout ce que vous sauvez, tout ce que vous savez sur les gemmes étoiles. C'est plutôt toi qui va te mettre à trab, oui ou non? On n'a pas toute la soirée, la journée. Non, non, ça va pas le faire. Pas, s'il faut, il le faut. Rassemblement! Ta-ta-ta-ta-da! Yuck-yuck-yuck-yuck! Quelle horreur, envie de tout avouer finalement? Position d'attaque, attention.
Hihihihi, bon, ce n'est pas bleu. Rassemblement, oui, oui. Oh, ça sent le... This is Sparta, je sais pas, ça sent genre... Trop débile. C'est ce qu'il laisse pas faire. Yakakak, et maintenant... Dans ce cas, j'ai ça, j'ai des pieds et paf, plus personne. Prenez ça, ultibombe. Mais ça passe rien. Mouah, voilà ce que j'en fais de ton machin. Non, mais quel con. Mais quel con. Non, mais quel con. Ah là là, bah, je suis trop stupide. Trop stupide, trop stupide, je vous dis. Donc, je crois que je vais vous laisser là-dessus. Oh, attendez, je vais voir un petit peu ce qui se passe avec Mario. Et après, je vais vous laisser là-dessus, voilà. Je vais pas finir non plus trop abruptement. Juste voir qu'est-ce qui se passe avec Mario. Et de toute façon, ça me tente de continuer un peu, donc. Hihi. Vous avez été formidable dans ce combat, vous me plaisez. Si vous avez un nouveau besoin du Black Scar, n'hésitez pas. Mais oui, bonne idée, il peut nous ramener facilement par la canaille. Quittons cet île et rentrons chez nous, vous êtes tous d'accord? Ouais, on va pouvoir rentrer, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Rentrer sain et sauf, c'est mieux que rentrer riche, vite, levons l'ancre. Parfait, alors allons-y Mario. Mario? Nous allons rester sur l'île, malgré tout ce qui s'est passé, elle nous plaît. En fait, Python et moi passons fin notre vie ici. Mario, salut le patron pour moi. Moi aussi, je reste sur l'île. Sans les spectres, je trouve l'endroit agréable à vivre. Ils s'en sortiront sans problème. Alors, allez, on mélange. J'invente des mots dans des textes qui n'existent pas. Nous partons, larguez les amarres. En ce moment, ça me fait vraiment penser à Wind Waker, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Simplement quand que Link est sur son bateau. Et ben pas sur son bateau, mais quand il quitte avec le bateau pirate et tout le monde est sur l'île. Ils sont en train de quitter tout calmement. C'est merveilleux. Merveilleux. Journal de bord du capitaine. Notre quête est terminée. Notre avion vogue vers Port-la-Canaille qui devrait bientôt être en vue. Nous ne rapportons pas de trésor, mais je me sens satisfait. J'ai le sentiment d'avoir trouvé quelque chose de plus important que trésor. Port-la-Canaille est en vue. Il est temps de clore ce journal de bord. Nous étions partis sur une bonne sous une bonne étoile, Marco. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait pu trouver plus que des trésors? Peut-être bien une bonne aventure. Qui sait, qui sait. Enfin de retour dans ma bonne ville de Port-la-Canaille. Port-la-Canaille, excusez-moi, je dis Port-la-Canaille. Et c'est grâce à mon énergie débordante que nous sommes rentrés entiers. Vous pouvez me remercier. Dites fier, Marco. On doit y aller, nous, hein. On se reverra à l'occasion. Mais tout le monde s'en va. Mais quelle froideur. Et toi, Mario, tu vas poursuivre ta quête, n'est-ce pas? Ah, l'élève dépassera peut-être un jour le même que je suis. La route est encore longue, mais je te souhaite bonne chance. Quant à moi... Au fait, Mario! N'hésite pas à venir me voir si tu veux retourner sur l'île trop atroce. Je t'y emmènerai en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Oui, oui, merci bien, oui. Bon, puisque tout le monde est parti, je ne vais pas tarder à me retirer non plus. Nous aurons l'occasion de nous rencontrer en ville, alors à la prochaine. Allez Mario, on a aussi affaire, nous, la grande porte nous attend. Ok, donc c'est le temps d'aller à la grande porte, mais ça sera dans le prochain épisode, parce que je suis... Ah, attendez, le merle là-bas. Et après, ça sera le prochain épisode, donc je vais vous laisser après le merle. Gonzalez, ça doit être un merle de Princess Peach, voilà, oui, oui, c'est sûrement un merle de Princess Peach. Cher Mario, bonne nouvelle, j'ai rencontré là où je suis prisonnier un drôle d'ordinateur du nom de Tech. Grâce à lui, j'aurai bientôt accès à certaines données secrètes de mes ravisseurs. Tech est en train de déchiffrer ces données. Quand il les aura analysées, nous comprendrons mieux les dessins de mes goéliers. Je te tiendrai au courant dès que j'en saurai plus, Peach. La princesse Peach se débrouille super bien, alors bougeons-nous aussi. Alors, merci d'avoir écouté cet épisode, je crois qu'on était rendu à l'épisode 27 de Paper Mario. Et vraiment, merci de me suivre dans cette aventure. N'oubliez pas aussi que l'aventure de Skyward Sword est commencée et j'espère que vous l'écoutez aussi. Donc, salut tout le monde, on se voit dans le prochain épisode.